Salut à tous, bienvenue dans ma cuisine. Réaliser un plat complet comprenant des protéines, des lipides et des glucides en un seul bol, ça vous dit? Alors je vous propose de réaliser quelque chose d'hyper tendance en ce moment, le Buddha Bowl. Et pour réaliser cette recette, il vous faudra des billes de mozzarella, 3 œufs, 8 tomates cerises, 120 g de semoule, un concombre, un avocat, quelques radis, un jus de citron, 100 g de roquette ou de mesclun, du sel et du poivre, et de l'huile d'olive. Commencez par porter à ébullition une casserole d'eau. Versez-la ensuite à hauteur de votre semoule et laissez-la gonfler sous un chiffon. Portez une seconde fois une casserole d'eau à ébullition pour venir faire cuire nos œufs. Et pour la cuisson, c'est 9 minutes. Pendant que nos œufs cuisent, on s'attarde à la découpe de nos légumes et on commence par le concombre. Vient ensuite le tour des radis et enfin de l'avocat. Dans une poêle, faites chauffer une cuillère à soupe d'huile d'olive pour venir cuire nos tomates cerises. Pendant ce temps, on vient écaler nos œufs que l'on aura bien sûr au préalable mis dans de l'eau froide pour qu'ils refroidissent. N'hésitez pas à les relaver ensuite. Coupez-les pour terminer en quartier. Il vous suffit ensuite d'ajouter tous les ingrédients joliment présentés dans une assiette et pour terminer, ajoutez un filet de jus de citron et de l'huile d'olive. Une recette idéale pour vos soirées d'été.